les amis, aujourd'hui pour cette vidéo, je suis accompagné d'Anthony le Fiston. Nous nous trouvons au col de la Lombarde, donc nous sommes à la frontière entre la France et l'Italie. Et donc nous allons passer une nuit dans un refuge. Alors voici le refuge en question. Donc on vient à peine de poser les sacs. On n'a pas encore fait la mise en place. Là, vous avez le petit miroir, la vue sur la vallée, sur Isola 2000 en bas. Là, ce qui est sympa, c'est que il y a du matos à dispo, hein. Il y a un peu de lecture, jeu de cartes, de quoi s'éclairer, de quoi aller aux toilettes, petite photo d'époque. Et là, on vous explique, donc cette cabane a été restaurée bénévolement pour le bien-être de tous. Merci de laisser cet endroit propre et en état. Ne laissez pas vos poubelles et pensez à bien fermer la porte en partant. Voilà, donc c'est cool, hein. Donc c'est basé sur la confiance ou le respect. Donc là, on a quand même le petit écriteau qui rappelle de laisser propre. Et donc apparemment, ce sont des bénévoles qui auraient retapé cette petite cabane. Donc c'est vraiment, vraiment sympa, et donc nous, bien sûr, on va être respectueux des lieux, et j'invite toute personne qui viendrait se rendre ici à faire de même, hein, donc à respecter les lieux pour que ça puisse perdurer, et puis que tout le monde puisse en profiter, quoi. Hop. Donc, là, on a le sous-sol. Bon, le sous-sol, j'ai vu qu'on l'a remise en place, elle était partie, mais... je pense qu'il va y avoir des infiltrations d'air par le plancher, donc on va essayer de bien la caler, histoire d'isoler au minimum, quoi. Et donc là, de l'autre côté, là-bas, c'est l'Italie. Là, on est sur un petit casernement italien, un ancien casernement, bien sûr. Un petit peu le paysage. On a le soleil qui va pas tarder à se coucher. Donc normalement on est à 2540 mètres d'altitude. Donc je pense que le soir ça doit bien cailler. Normalement on a prévu. Bon, on verra ce soir si ce qu'on a prévu est suffisant. Donc là vous avez ces petits lacs là, c'est vraiment magnifique. On a aperçu des marmottes tout à l'heure. Donc là on voit trois petits lacs, hein. Vous en avez un ici, un au fond. Je crois qu'il y en a un quatrième par ici. Et là-bas, je crois que c'est l'Opéra 175 TER, un ouvrage italien, qui est maintenant du côté français, puisque maintenant là-bas c'est la France. Autrefois c'était l'Italie durant la guerre. Donc en bas c'est Isola 2000 avec sa station de ski. On peut voir les pistes d'ailleurs ici là. Et là-bas, si vous arrivez à l'apercevoir, c'est l'Opéra 175 bis ici là, c'est un bunker italien toujours. Je vais essayer de faire un petit zoom. Ah, vous voyez, il est camouflé. Donc là on va se mettre la couche. Voilà, il n'y aura pas froid le fiston ce soir. Hop.
T'as pris ton doudou? Bah, j'ai oublié de voir, j'ai dégoûté. Bon, bien, ça y est, les amis, on est en place. Donc là, voilà notre petit coin cuisine. Notre petite plaque, voilà, on va les cuisiner tout à l'heure, puis on va sûrement manger sur cette petite table, ou on verra peut-être sur une chaise ou sur ce banc, histoire d'admirer un petit peu la vue. Aussi un petit peu de vue. Donc notre coin couche. Et voilà, on a casé toutes nos affaires. Hein. Donc du coup là, on va sortir, on va profiter un petit peu de la vue. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et là, ça y est, je suis en Italie. Allez, on va sortir la popote. Ça serait mon coup, je l'ai oublié, tu vois. Comment savoir ce truc? Non, ça va être nuit chinoise, enfin coréenne, pardon, je sais pas pourquoi je. Chinoise. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je crois que ça va être bon. Hein. Hop, on déconnecte. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors, ça te plaît ou pas? Ça me plaît, hein. On est bien ici. Ta première, lui, c'est sa première. Hein. Alors, on a Tony qui va goûter les pâtes. Là. Alors, verdict? C'est fort. Ça ouais. Pique, c'est épicé, c'est relevé. Ouais. Et en goût, c'est bon? Ça va. Bon, les amis, il est temps de se mettre au lit. Anthony ne m'a pas attendu, lui il est quand même en train de pioncer là, depuis un petit moment. Bon les amis, il est 4h32. Anthony il s'est réveillé. Voilà, je suis en train de tuer les yeux, ça va alors? Ouais. Tu dis bien là? Ouais. Pas trop froid? Un peu. Un petit peu? Ouais. Moi ça va mieux là, je me suis bien enroulé. Donc on a le soleil qui va pas tarder à se lever, là on est en montagne, donc il se lève un peu plus tôt qu'en ville. Il y a un paquet de bruits chelous, mais quand je dis chelou, c'est chelou, hein, là, juste en dessous, là, ça a gratté en dessous des planches, dans le vide sanitaire, des craquements, des bruits de pas autour, carrément tout en cercle, bon, je présume, mais j'espère que c'était juste des animaux, quoi. Bon, après, vu la température dehors, voilà, je doute que ce soit un psychopathe. Oh, c'est magnifique. On a ce privilège là. Ah ben, il m'a vu, je crois.
Alors voilà, on va quitter les lieux. Donc ça, c'est ce qui est mis à disposition donc gratuitement. Apparemment, il y a un magasin de sport de Nice là, qui a fait un don de toute cette bibliothèque. Là. Et nous, notre petite contribution en partant, bon, je n'avais pas grand-chose, hein, mais j'ai laissé ça. Là, il y a de la petite barre pour visser. J'ai laissé la visserie, les serre-câbles. Voilà, bon, j'ai vu qu'ils avaient laissé la bougie. On a laissé aussi un petit carré de sopalin. J'ai vu qu'il y avait du papier toilette, ça aidera. J'ai laissé deux sacs poubelles. Bon, et bien voilà, on quitte les lieux. Donc on a laissé impeccable, comme quand on l'a trouvé, voire peut-être un peu plus propre. Alors, on a laissé un petit carton avec les traces de notre passage. Voilà, tout est nettoyé, balayé. Bon, eh bien, c'était super. Hein. Merci aux personnes qui ont rénové ce refuge et qui l'ont mis à disposition. C'est vraiment sympa. Et voilà.